Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Murder Soul Suspect, un épisode qui arrive après un long moment d'attente. Hein. Pourquoi? Parce que je n'avais plus internet, j'étais déprimé, j'avais plus envie de jouer. Enfin, je suis de retour, c'est le principal, et j'avais vu un truc ici, donc je vais pas m'attarder là-dessus parce que bon, voilà quoi, c'est pas super intéressant. J'avais pas internet et puis c'est tout. Hein. On va pas tortiller du cul pour chier droit. Maintenant j'ai internet et je joue. Et je suis de retour. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé la résolution en 720p parce que vraiment 1080p, moi les lags ça m'énerve. Et malheureusement, fraps compris, ça me fait laguer le jeu, c'est dommage. Je peux jouer en ultra avec n'importe quel jeu, mais avec fraps en plus, ça passe pas. Hein. Ça passe pas du tout. Fais juste attention aux caméras et aux alarmes. Oui, s'il te plaît, fais attention parce Merci du que. conseil, mais c'est pas la première fois que je fais ce genre de truc. Te la pète pas trop. J'étais là la dernière fois, d'accord? Ouais, on dirait qu'on est au bon endroit. Voyons ce que ces objets peuvent m'apprendre sur les procédés sorcières. Ah, les sorcières, j'aime bien les sorcières. Trouver une réponse, allez, ça y est, c'est reparti. Ouais, je vais plus savoir jouer parce que bah, ça fait longtemps. Non, mais je veux pas faire ça, arrête un Continue de peu. chercher, il y a forcément plus. Bah, j'ai rien trouvé encore, donc il y a forcément plus, ça c'est sûr. Examiner. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Encre sur place. T'as 14 indices. Une encre d'un grand navire. Ça m'aide, c'est génial. Alors, des tableaux. Super musique. Qui sert à rien, mais super musique. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu me suis? Peux aller par là-bas? Et quoi là-bas? Ça n'a plus l'air d'être l'enquête, hein, tout ça. À mon avis, on va devoir y aller plus tard, alors j'ai pas besoin d'y aller maintenant. Ah ah! Appel au secours. Un télégraphe antique sur pied. Ouais, mais c'est bien, mais si on voit tout ce qu'il y a dans le musée, ça sert à rien et on va perdre du temps pour rien. Ah, un tableau là-bas. Ouah, le bâtard! Bâtard, il a caché un coffre. Un coffre. Un Petite, cadre. j'ai besoin que tu remontes ce tableau. C'est super bien caché, hein, franchement. Ça s'appelle la sorcière pendue. Ça fout les jetons. Oh là là. C'est la marque du tueur. Ah, c'est la jeune fille! Symbole dans le tableau. On retrouve une version du symbole du crieur des morts sur ce tableau, la sorcière pendue. Et la sorcière, c'est la petite fille, mais ça fait un moment qu'elle est là en fantôme. Examiner du vin. J'ai un grand tonneau pour y faire du vin, je suis bien content de la prendre. Mais il y a un petit truc qui me gêne, j'arrive pas exactement à définir ce que c'est. Ça y est, je sais, on s'en fout en fait, voilà, c'est ça, oui. Sérieux, ils te mettent des indices inutiles juste pour faire un peu plus de jeu quoi. Navigation. Un ancien habitacle de bateau en cuivre. Oh. Un boulet, un canon. Guerre de sécession. Un canon datant de la guerre de sécession. Ouais. Oh mon dieu, ce jeu il m'aura épuisé quoi. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Par là, c'est aussi. Ça m'a l'air aussi d'être. Une zone à chercher. Sentence. Un marteau, le juge. Je me demande de quelle époque il date. Je ne veux pas savoir. Ah! Des montres. C'est super. Ah non, c'est des colliers. Rien à voir.
D'où proviennent ces bruits? Censés prédire l'avenir. Pardonnez-moi. Ceci vous appartiendra toujours. Honte à toi, Marichek. Cette prétendue capacité à parler avec les esprits te fera condamner pour sorcellerie. Les puritains considéraient les médiums comme des sorcières. Tu m'étonnes, en même temps, c'est des sorcières, voilà. Voilà, je l'ai dit, aucun respect. Les médiums sont des sorcières. Ah ah! Po-po-po! Un caillou! Non, je ne ferai pas la blague du caillou magique. Ouais, je le dis, je ferai pas la blague, c'est tout. Bon, plus que trois. Plus que trois. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y suis toujours pas, hein. J'y suis toujours pas. Ah! Bon, déjà, ça m'a l'air un peu assez fluide par rapport à avant, hein, quand même. Un des tableaux concernant le procès des sorcières utilise auparavant pour l'exposition du premier étage. Ouais, le seul truc, c'est que moi, j'ai un écran. Enfin, je joue sur télé, en fait. Donc, j'ai un grand écran et je vois bien les détails qui diffèrent avec la 1080p. Un parchemin antique. C'est génial. 10 sur 14. Je veux jouer à l'ordi. Je veux jouer aux Sims. N'importe où. Ah, examiner les détails. Qu'est-ce que c'est? Medium mène la police à une découverte macabre. Sophia Bakar, une jeune médium de Salem, retrouve personne. Une lycéenne, Rose Campbell. Rose Campbell! C'est pas cette à la maison, non? Sort la police d'une impasse. Éditorial. Est-ce que les médiums existent vraiment? Médium résout mystère de vieux de 20 ans. Une autre affaire résolue avec l'aide d'un médium. Les déclarations de la police. Allez, maintenant, on va lire le journal. Merde, j'arrive pas du tout à lire. Et de toute façon, c'est écrit exactement la même chose, apparemment. Ils sont pas fait chier pour les détails. Sophia aussi était médium. Cela signifie que plusieurs des victimes du crieur des morts étaient des médiums. Ah d'accord, en fait, je crois qu'il y a une sorte de succès ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça que je veux faire. Parce que regardez là, il me marque combien de fois j'ai raté et tout ça. Il doit y avoir un truc, un succès. Ou... Ça veut dire qu'il faut recommencer le jeu pour pas pour avoir le succès. Bon, je sais pas, on verra. De toute façon, je compte pas faire les succès. Hein, rien à foutre. Franchement, j'en ai strictement rien à foutre. Mais regardez. Ça, on l'a déjà dit. Donc y a rien par ici y a rien. Bon ben j'ai l'impression qu'on a... Ah voilà. Ça fera 12 sur 14. Toute direction. Un gouvernail. C'est super, je suis content pour toi. On en apprend des trucs dans ce jeu hein, franchement. Ça non? Non. Donc normalement il devrait m'en manquer un seul. Un seul. Putain, c'est chiant, à chaque fois que je rentre dans son corps là, ma manette elle vibre. Oui, tu me fais vibrer. Tu es jeune, mais tu me fais vibrer. Je ne vois rien. Bah, désolé pour le fait que je bouge autant. Je sais, c'est pas super. Mais... J'ai mis pour rien, hein, c'est le jeu qui veut ça. Non, bon, on va essayer ça. Est-ce que certains des objets ont lien avec l'affaire du crieur? Oui, ça, carrément. Ça, bien sûr. Et le tableau de Baxter, voilà. Ah non. D'accord. Donc, il y en a autre chose. Et c'est autre chose. Ah ben, je suis con. C'est ça.
crieur s'en prendrait au médium car à ses yeux, ce sont des sorcières. C'est du délire. Qui je connais qui s'intéresse au médium? Baxter. Non! Sérieusement? Quel comportement suspect Baxter a eu, bon, au cours de cette affaire. Alors ça, déjà, c'est clair. Baxter cherchant la jeune fille. Baxter a caché le carnet, bien sûr. Promotion, champion de bowling. Et voilà. Et pourquoi Baxter est-il mêlé à tout ça? On lui a retiré l'affaire quand il a été rétrogradé. Faut que je comprenne pourquoi il a été mêlé à ça. Pourquoi tu finis pas ta phrase? On a trouvé la marque du tueur. Et on a également un suspect. On y est presque. Enfin, on est très loin d'avoir retrouvé ma mère. Comme je l'ai dit, pleurnicher ne nous avancera à rien. Tu sais quoi? Va te faire foutre. Wow! Pas de gros mots sur ma chaîne. Je ne pige rien. Ma femme a été assassinée il y a 3 ans. Elle a disparu dans la lumière. Et moi, je me retrouve ici coincé avec une ado insupportable. Ta mère se cache depuis quoi? Moi, j'ai envie de faire comme... 3 jours? Hein? Et je te promets qu'on va la retrouver. Si j'échoue, si on échoue, je ne reverrai plus jamais Julia. Jamais! On n'échouera pas. J'ai pas besoin d'un coach. Je suis désolée. Mais il devient grave sérieux, quoi. Je savais pas pour ta femme. Bon. On a des pistes à suivre maintenant, tant qu'elles sont fraîches. Toi, retourne à l'église. Ouais, dégage, tu me gênes. L'église? Mais et toi? Baxter est notre principal suspect. Je vais aller faire un tour dans son appartement et voir si je peux trouver des infos. Aller fouiner chez un flic, c'est pas bon pour une fugitive. D'accord, à plus tard. De nombreux indices font de Baxter le suspect numéro 1. Je dois le trouver. Ouah, le gars quand même! Sérieux, qui... Pourquoi tu marches en biais? T'es un malade, toi. Ah, le mec, quitte à aller chez quelqu'un, tu vas pas chez Baxter, tu vas chez une jolie demoiselle qui est en train de prendre sa douche. Merde. On veut voir du dessin, on veut voir du sexe, nous! Du coup, je suis pas allé ici, alors... Bon, comme d'hab, hein. Je montre. Vous appuyez sur stop si vous avez envie... Enfin, sur pause si vous avez envie de voir. Allez, plus que deux, ça part bien là. Ah ah, quelque chose ici. C'est pas ça que je veux faire. D'étranges émotions, vieilles de plusieurs siècles, émanent de cet endroit. Je m'efforce de me concentrer sur le tueur, mais les échos de ses émotions troublent ma réflexion, tels les fantômes des morts, s'accrochant tant bien que mal à ma mémoire. Esprit du musée, Cassandra, sans que d'esprits du passé de Salem, il n'y a pas une faute là, des esprits du passé de Salem sont liés aux objets exposés au musée. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, on s'en fout. Ok. Y a-t-il... Ah ah! Plus qu'un, et vous aurez votre histoire tant attendue que tout le monde attend avec impatience, n'est-il pas? Je suis sûr que vous en battez les couilles, putain. Je m'emmerde à faire passer, mais je suis sûr que vous cliquez direct dessus. Ah, me dis pas que je vais pas le trouver. Ah, t'es sérieux? Ah! Non, même pas. Test de la prière, ouais, on s'en fout. L'une des gravures en couleur. Ouais, si on va lire tous les livres du musée, on va pas s'en sortir, crois-moi. Et donc, il nous manque un caillou. Il nous manque un caillou, et malheureusement, je ne sais pas du tout où il est.
Et je suis pas sûr qu'on va le trouver, tant pis. Vous n'aurez pas votre histoire. Je regarde vite fait, hein, hop, non, rien. Oh. Non, ben y a rien, tant pis. On doit faire demi-tour. Ici, il y avait un caillou, je l'ai pris. Enfin, pas là, mais dans cette salle. T'as fait faire tout le chemin inverse, là ? T'es sérieux ? Bon, ben, on va faire tout le chemin inverse. Écoute. Là, tu m'avais ouvert la fenêtre, non ? Non, t'étais obligé de la refermer, hein, évidemment. Sale cruche. Purée. Wouah ! T'es sérieux ? D'où ils viennent, eux ? Oh, merde. Qu'est-ce que je les aime pas ? Allez, c'est parti, petite run élimination. Allez, je peux l'avoir celui-là. Coucou, tu veux voir ma bite ? Plus qu'un, les amis, plus qu'un ! Oula, que je me fasse paniquer par ça. Essayer d'attirer le corbeau. Allez, va par là-bas. Allez, viens voir le corbeau, viens voir le petit corbeau. Regarde, il y a un corbeau qui t'appelle. Éliminons-le ! Et paf ! Dans ta gueule ! Et voilà. Voilà ! Téléportation pour le fun, et on se retrouve donc avec plus d'ennemis. J'ai réussi à les battre les trois pour le fun. C'était chiant, mais c'était pour le fun quand même. Voilà, il fallait que je les tue. Je n'aime pas laisser des ennemis derrière moi. Merci, petit corbeau. Salut. Est-ce qu'il y a toujours le train ? Bon, t'es sérieux, je vais devoir faire tout le tour du musée encore là. Je vais devoir rentrer chez moi. Ah, ça m'a l'air d'être fini le train. Le train m'a l'air d'être terminé. Je vais pouvoir passer tranquille. Je vais pas me faire chier avec ce train de merde qui m'a bien cassé les couilles. D'ailleurs, on va voir. Non, il y a rien. Non. Tant pis, il y aurait peut-être un petit caillou. On sait jamais. On regarde. Je viens de recevoir un message. Il s'est encore passé quelque chose. Quelque chose d'horrible. Comment ça ? Oui, moi j'ai entendu parler d'un meurtre. Où ? Non, ça vient juste d'arriver. La police panique grave. Bah, exprime-toi ! Quoi ? Je sais pas, mais ça a l'air sérieux. Mais tu sers à rien si tu sais même pas.
Et vous, il s'est passé quelque chose et vous êtes tranquille? Ouais. Ouais, en plus tu me dis ouais. Tranquille, ça va. Bon, on va essayer de chercher le dernier petit caillou, non? Allez, pour le fun. J'y beaucoup pour le fun, hein. J'aime beaucoup le fun. Le fun, c'est classe. Alors, est-ce que c'est par là? Ah ah, il y a quelque chose. C'est pas ça, mais c'est quelque chose quand même, donc on va le prendre. Oh, désolé. Ah merde, j'ai pas pu voir. Bon bah tant pis, c'est pas grave, hein. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous, les amis. Vous avez qu'à me... éviter de m'appeler sur Skype. Voilà, déjà, hein. J'aime pas avoir des amis sur Skype. T'as entendu ce qu'il a dit? Quelque chose d'affreux s'est produit à Saint-Bénédicte. Oh. À l'église? Ah merde! À l'église? T'es sérieux là? Waouh! J'ai failli me faire avoir. Ah merde, on a dit à l'autre d'aller à l'église. Bon, y'a pas un petit caillou là, il m'en manque un. Il m'en manque un quand même. Il m'en manque pas 36, il m'en manque un. Toi là, t'as pas vu un caillou? Non, bah non, toi t'as rien vu. Toi t'es madame, je m'en fous quoi. Eh bah tant pis pour vous, tant pis pour le caillou, je l'ai pas trouvé et puis merde hein. Oh. Non, y'a pas de caillou, y'a pas de caillou, y'a pas de caillou. Ah, qu'est-ce que c'est? On dirait un cadavre à l'intérieur. Non, rien à voir. Rien à voir. Donc, comment on sort d'ici? Je veux sortir! Totalement paumé, hein, ici. ça a l'air d'être par là. Non, c'est pas du tout par là. Là, je reviens où j'étais tout à l'heure. Donc c'est pas du tout par là. Peut-être que le caillou est ici, dans cette zone de train, alors. Non? Oh! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris, là. Je sais pas ce qu'il a fait, ni pourquoi il a fait ça, mais c'était très bizarre. On dirait que le train s'est arrêté ici, en fait. Je peux pas passer là. J'ai pas compris. Ah parce que non, ah ouais d'accord, normalement c'est ici qu'il est censé avoir le train qui passe d'un coup. Et du coup il a fait le geste genre wow le train, mais en fait non, il y a pas de train. Il est déjà passé le train, n'importe quoi. Bug scénaristique on dirait. Oh bah pas de caillou, pas de caillou, pas de caillou. Allez en ville, oui. Allez, ouvre la porte. Merci. Bah, t'en as mis du temps. Fais pas genre l'étonné, ils ont pas arrêté de le dire dans le musée, hein. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous allez où? Au musée. À l'église. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Hey, ça y est, tu es à l'aise maintenant, fantôme. Allez, allons à l'église. Qu'est-ce que c'est que ça? Lac de la Fontaine. Quitter le musée. Ouah, c'était dur. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'en fout. Donc 60 mètres avant l'église. Allez, c'est parti. Vas-y, remplis-moi! Oh, c'est dégueulasse, c'était dégueulasse, franchement. Faut pas ça, mec. Il y a une fille, évidemment, hein, ça allait de soi. Non, l'église, c'est par là. Je peux pas me téléporter pour l'église? Ben non, évidemment, non. Voilà. Eh ben oui, je me téléporte pour l'église. Je vais pas
tant que ça plus vite, mais... va mettre l'église, va mettre l'église. Ah, c'est dommage qu'il y ait autant de débris là, c'est chiant, on peut pas se balader tranquillement dans la ville. Mais je m'éloigne de plus en plus de l'église là, ils se foutent de ma gueule ou quoi? Elle était à 40 mètres il y a deux minutes, j'ai fait que avancer et elle est toujours à 40 mètres. Ah non, c'est des points de repère, eh ben putain. Publicité mensongère! Ah, l'hôtel de pendaison, c'est sympa ça, tiens. Je l'avais pas vu tout à l'heure. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai persuadé de devenir flic. Maintenant, il est mort dans la rue. Et c'est ma faute. On a compris que c'était de ta faute. Oui, c'est de ta faute! Rex se sent coupable d'avoir poussé Rodan à rejoindre les rangs de la police. Ça, je suis pas une lopette non plus. Je veux être pendu. Non, je peux pas être pendu, moi aussi je veux être pendu là. C'est quoi cette arnaque? Oh, je veux être pendu. Ah, ah, voilà, je suis pendu. Ça fait du bien. Bon allez, c'est parti, n'importe quoi. Si je fais ça, c'est pour essayer de faire un montage. Je sais pas si ça va marcher, mais bon. On verra bien. C'est la première fois que je fais ce genre de conneries. Du coup, c'est pas du tout par la clé que j'aille, mais c'est pas grave. Hein. Où je suis? Je suis perdu. Il n'y a rien par là. Il n'y a rien, donc je suis vraiment perdu. Ah, c'est relou ces obstacles là. Pourquoi ils mettent autant d'obstacles? Ça n'a aucun sens en plus. Ils expliquent même pas pourquoi c'est là. Ah, voilà, c'est par là. Putain, mais c'était si loin l'église? Ah, oh, mais ils m'ont ramené ici, d'accord, ok. Ah, ça y est, je me rappelle le bateau là, qui me casse les couilles, qui gêne pour rien, franchement. Ce sera un éternel débat. À chaque fois que je vais passer devant le bateau, je vais dire qu'il me gêne pour rien et je vais expliquer pourquoi il me gêne pour rien. Tant qu'on m'expliquera pas. À quoi il sert? Voyons. Allez, à l'église. Voilà, en téléportation. Les flics et les malfrats s'habituent aux couleurs des gyrophares. Mais même après un certain temps, elles peuvent encore vous glacer le sang. Il arrive d'avoir le pressentiment que cette fois-ci, les lumières s'allument pour vous. Heureusement que tu n'as rien. Non, Joy, non! Racaille! Lieutenant, elle prétend être une amie du prêtre. Je l'ai surprise dans l'escalier. Ouah, il t'a pas fallu longtemps. Est-ce qu'il va bien? Mettez-la dans ma caisse. Je l'interrogerai moi-même. Et rappelez à Brawls que cette porte va pas se garder toute seule. Oui, chef. Mais répondez à ma question! Allez-y. Non, ferme pas! C'est arrivé. Est-ce que quelqu'un a vu Baxter? Non. On a été voir au poste. Chez lui, personne. T'as un peu les cheveux en pétard. Il y a quelque chose qui cloche. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu une chose pareille? Franchement? J'ai l'impression de nager en pleine énigme. Je sais pas. C'est tellement tordu. Tordu? Je dois aller sur les lieux du crime avant qu'ils en scellent définitivement les preuves. Du coup, ce qui s'est passé à l'église.
Joy et Iris sont à l'église, je dois m'assurer qu'elles vont bien. Démarrer l'enquête. Démarrer l'enquête. Eh bien, on verra ça si Joy et Iris vont bien. Nous allons le voir dans le prochain épisode. J'espère que vous serez nombreux, hein, tout autant que dans cet épisode. Même si c'est pas maintenant, ça sera dans plusieurs années, quand je serai populaire. Je sais, je suis pas sûr d'être populaire un jour. Non, je fais pas ça pour la popularité, je fais ça pour moi-même, parce que je m'amuse énormément en votre compagnie ou tout seul, hein, peu importe. Et donc je vous dis bisous à tous, à bientôt, bye bye.